Salut à tous, bienvenue sur Astrofécond. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Stéphane. Salut. Qui est un ami et étudiant en dernière année en kiné. Avec lui, en fait, j'entretiens un groupe de rêveurs lucides et il va nous accompagner pour cette vidéo. Vous allez voir des trucs super étranges, genre ce genre de trucs ou même celui-là. On va en voir plein et on va essayer de les expliquer sur ce. Il y a un problème sur la main ou quoi là? Oh putain, waouh! Ah, je vais leur dire, ouais, je sais pas comment on réduque ça. Parce qu'en général, en cours, on apprend pour les mains à 5 doigts. Attends, mais elle a combien de doigts? Ça fait flipper. Attends, elle a 4 doigts donc. Ouais. Et hyper laxe en plus. Ouais, ils ont l'air immenses. Oh. Je me demande en fait si du coup elle arrive à faire tout ce qu'une personne normale peut faire, entre guillemets. Est-ce que 5 doigts c'est essentiel ou 4 ça suffit du coup? Tant que t'as l'opposition pouce-index, en vrai, tu peux faire un peu ce que tu veux. Cette maladie s'appelle l'ectrodactylie et ça touche que. Un bébé sur 90 000. Mais on a une tribu africaine qui a 25% de sa population qui est touchée à cause d'une faible diversité génétique. En fait, vous voyez, quand il y a trop peu d'individus, trop peu de femmes et d'hommes, et que du coup ils copulent entre eux, en fait, ça crée pas des consanguins forcément, puisque c'est pas forcément des frères et sœurs ou de la même famille, mais quand ils sont trop peu, bah ça produit un peu ce genre de tare génétique, il y a plus de risques. Je me demande vraiment s'ils arrivent à marcher correctement, quoi. Donc c'est juste le système nerveux qui s'habitue, je pense. On s'adapte, quoi. Mais ce qui est amusant, eh bien, c'est que vous pouvez aussi avoir l'inverse et avoir plus de doigts qu'une personne comme vous et moi, quoi, vous voyez. C'est ce qu'on appelle la polydactylie, et voilà ce qu'on constate là. Ouais, je dis un peu comme dans les rêves lucides, quoi. C'est vrai que du coup, en rêve lucide, c'est un truc courant, c'est de regarder sa main. Moi, je le fais souvent pour voir si j'ai bien le bon nombre de doigts. Mais là, c'est mort. Lui, bon, ok, est-ce que j'ai bien 7 doigts que... Ok, nickel, c'est bon. C'est... J'ai 7 doigts, je suis réveillé. Par contre, c'est fou qu'ils puissent les utiliser tous bien comme ça. Mais c'est moins choquant, là. En fait, quand je vois, je me dis pas qu'il a beaucoup plus de doigts. Mais je pense qu'il y en a qui sont pas utilisables. Enfin, c'est rare que tu naisses avec autant de doigts et puis qu'après, tu puisses les utiliser. Parce qu'il faut encore que ton système nerveux fasse en sorte que t'aies ce qu'il faut pour les utiliser. Enfin, bref, des trucs chiants de geek, mais... En fait, c'est que ce doigt-là qu'on voit, il a la capacité de tourner, et donc c'est une sorte de super doigt qui leur permet de faire plus de choses qu'un humain non augmenté, en fait. Ah, t'imagines pour jouer à l'ordi au PC? Genre les avantages que ça te donne de Les PGM, quoi. Ah ouais. Ça, c'est ouf. Elle pisse du lait. Enfin, un liquide qui est blanchâtre, on va dire. On est sûr que c'est pas un bouton d'acné ou un truc comme ça. Ah, parce que le pus, c'est un peu la même couleur, ouais, quand même. Vrai, ouais. Bon bah, en vrai, apparemment, parfois, du lait peut sortir par l'aisselle. Et ce sera chez les femmes, hein, du coup, je pense. Parce que le tissu mammaire, en fait, pourrait s'étendre jusque sous le bras. Je sais pas si on apprend ça, du coup, en cours de kiné, quoi. Non, pas du tout. Par contre, par rapport à l'allaitement et tout ça, c'est pas très utile. Faut faire attention que ce soit pas de la sueur. Bon, en tout cas, les Américains appellent ce phénomène le pitties. Et du coup, quand vous êtes une femme et que vous avez ce genre de choses, vous pouvez imaginer en fait que vous avez trop de lait et ça vous fait croire en fait que ça sort par les selles comme si ça débordait. Mais en vrai, il est plus probable que ce soit une anomalie. Mais on sait pas trop en fait dans le corps médical puisque ça reste quand même mystérieux. Il y a peu de personnes qui sont atteintes. Ah, moi j'ai pas vu ça perso en cours. Peut-être en médecine. Après, t'as beaucoup de cours en fait qui sont communs à médecine. La kiné fait partie de la faculté de médecine, sciences de la motricité, et on a beaucoup de cours en commun. C'est un petit trou à côté de l'oreille. Bah, les restes des branchies ou quoi, un truc comme ça. Moi, j'avoue, de loin, on voit pas grand-chose. On dirait juste un piercing qui a été mal cicatrisé, je sais pas. Ah, des petits bourrelets, c'est Mimi. Je connais quelqu'un qui a ça. Je pense qu'il me l'avait dit et tout. Bah du coup, ouais, certaines personnes apparemment auraient un trou à côté de l'oreille. Et selon certaines hypothèses, ce serait les vestiges de branchies. Mais c'est pas sûr. En tout cas, ça concerne 1% des personnes blanches, 5% des noirs et 10% des asiates. Hein, pour les asiatiques, ça fait beaucoup. Une personne sur 10, en gros, elle a un petit trou. Bon, en tout cas, ça n'est pas toujours héréditaire. Vous n'allez pas le choper forcément du papa ou de la maman. Bon, en tout cas, il n'y a pas de conséquences si ça ne va pas s'infecter. Mais après, à quoi ça sert? Est-ce qu'on peut mettre le doigt et il y a un truc au fond ou... Voilà, on ne sait pas. Ça reste très mystérieux. Mais c'est ce qu'ils appellent le sinus préauriculaire. Quand on vit sans intestin, c'est vraiment ce qu'on a besoin, quoi. Une poche de nutrition, une pompe pour faire passer la poche et cette tubulure. C'est ça qui va me relier, en fait, ce que je dis être relié à la vie. C'est à ce niveau-là, en fait. Ça l'alimente en fait directement. Ouais. C'est pas une sorte d'intestin bis qui va digérer pour lui. Normalement, t'as ce qui l'alimente et j'imagine qu'il a une autre poche pour que ça ressorte. Là, on se dit, mais c'est dommage, du coup, il va pas pouvoir manger, mais en vrai, il peut quand même manger, avoir le goût, le plaisir, sauf que ça va juste ressortir et il va rien assimiler, quoi. C'est comme dans le film Casper, vous savez, avec les fantômes dégueulasses qui bouffent tout le temps et on voit la nourriture qui passe à travers leur cou, leur corps et qui finit par terre directement. Pas un fantôme, lui, du coup, mais c'est un peu le même principe, j'ai l'impression, quoi.
Ouais. Après, il est possible que du coup, c'est pas conseillé qu'il avale les choses s'il va pas les digérer. Et peut-être que ça fait le bazar dans son corps et que au bout du rouleau, c'est-à-dire le cul, c'est pas jojo, je sais pas. Ouais, tu dois avoir des douleurs et tout. J'imagine que c'est pas seulement ça et que c'est associé à d'autres choses. Ouais. En tout cas, force à lui. Maintenant, il dit que ça va être toute sa vie. Peut-être que dans 10-15 ans, il y aura avec les imprimantes 3D, on a déjà pas mal d'idées de ce que ça pourrait changer au niveau de la médecine. Peut-être que dans 10-15 ans, il aura des super intestins imprimés en 3D. Bon, bah, du coup, ouais, il vit sans intestin depuis 5 ans. Après, il n'est pas né sans intestin, mais il a été obligé de se le faire retirer. D'où le fait que, bon, bah, voilà, il ressemble pas non plus à un bébé, quoi. Mais normalement, en fait, un intestin, ça fait 5-6 mètres de long, quoi. Le problème, c'est que si l'intestin est trop court, là, il fait que 13 cm, le sien, bah, il a pas le temps d'assimiler, quoi, en fait. Je pense, en fait, le truc, c'est que quand la nourriture, elle passe dans tes intestins, le but, c'est qu'il y ait des échanges au niveau sanguin pour te donner les nutriments. Donc si c'est directement dans les vaisseaux sanguins, comme il fait là, vu qu'il se plug le truc, c'est directement dans le sang, t'as plus besoin d'échanger. J'imagine, moi, l'intestin, c'est un peu comme un grand tapis roulant, et du coup, il y a des ouvriers qui viennent récupérer des petits nutriments sur tout le long. N'oublions pas les vitamines B, il leur en faut pour la fabrication du sang. Et si c'est trop court, bah, il n'y a pas le temps de tout récupérer. Bonne image. Et du coup, là, en fait, il se fait piquer en fait, au niveau du pec pour pouvoir récupérer tous ses nutriments. Et donc, du coup, ça doit passer directement dans ses veines, non? Genre, ouais, un vaisseau sanguin qui a dans cette zone-là pour après l'emmener où il faut. Apparemment, ça prend 12 heures pour l'alimenter, en fait. Donc, bah, tous les jours, il passe la moitié du temps branché, quoi. S'il y a une merde, en fait, du coup, ça passe directement dans son sang, c'est le bazar. Ah ouais, non, c'est la septicémie. As you can see, I've got a gap in my site, the pupil. Bon, bah, en fait, ce qu'elle a, ça s'appelle un colobome et c'est une malformation de l'iris. Après, il y a aussi d'autres types de colobomes hein, qui peuvent toucher d'autres parties de l'œil. Mais en tout cas, c'est pas un problème de vue. Elle a pas l'air de porter de lunettes, donc c'est nickel pour elle. C'est juste une particularité, on va dire. Mais une chirurgie est possible si on a envie de remettre tout ça un peu droit, quoi. Au regard de la population, hein, évidemment. Ah, ça y est, là, elle a été chirurgicalisée. Elle est passée au bistouri. C'est fou, comme tu vois... Comme un œil, juste la couleur de l'iris, ça peut changer l'image que tu renvoies et tout. Je trouve ça ouf, ça change complètement la personne. Mais là, elle a la même couleur des yeux. Oui, mais comparé à avant. Bon, après, tu vas me dire, ouais, c'est abusé quand même, mais ça change beaucoup quand même. C'est vrai qu'à gauche, il y a un petit côté un peu Bella dans Twilight. Très, très, très bonne série, du coup, je la recommande à tout le monde. Enfin, je la regarde tous les week-ends, quoi. Bah, tous les soirs, il nous oblige à la regarder. Tu es magnifique. Moi perso, si j'avais un truc comme ça, je pense que je me ferais opérer, ouais. Mais je pense pas qu'on puisse retirer tout le noir. Le noir est quand même essentiel. C'est grâce à ça que tu vois. C'est pas grâce à ta belle couleur d'yeux. Ou alors tu me caches et tu deviens un pirate. Non, c'est vrai. Pip pip pip. Attends, je le fais en live. Ah, mais ouais. Ça, c'est un muscle qu'on n'a plus. Enfin, que je pense qu'il y a une personne sur trois qui l'a plus, déjà. En fait, c'est le tendon du long palmaire, là, comme ça. En gros, ça servait à grimper aux arbres, et vu qu'on grimpe plus aux arbres, eh ben, on le perd. On parle pour toi, aujourd'hui. Oh. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller grimper des arbres. Il y en a qui l'ont pas. Est-ce que ça change leur vie, du coup? En fait, c'est un muscle qui sert à mettre une tension dans l'aponevrose palmaire. En gros, ce muscle, il sert à avoir plus de force quand on veut presser la main. Ouais, de grippe. D'accord. Du coup, c'est ça qu'on est en train de dire. Si vous l'avez pas testé, du coup, avec la caméra, si vous contractez, vous voyez rien, bah, vous pourrez pas grimper à l'arbre. Un tout petit truc ouais, sur la perdue. Bon, vous pourrez quand même grimper, bon ça va. Bon, en tout cas, il y a 25% des gens qui l'ont pas, donc là, bah, il y a une chance sur 4 pour que vous l'ayez pas, quoi. Bon, en tout cas, il est tellement anecdotique ce muscle que, bah, quand il faut faire des greffes et qu'on doit prendre des parties de notre propre corps, bah, on le retire pour le foutre ailleurs. Tellement il est aux F, quoi, on va dire. T'as le grand palmaire pour grimper au palmier. Bon, en tout cas, si vous voulez entamer une grande carrière de grimpeur, voyez les falaises, ce genre de choses, faites gaffe si vous avez ce muscle, parce que si vous l'avez pas, vous allez galérer à être dans les pole positions. Avant, je croyais que le soleil, c'était juste un astre chaud et lumineux qui faisait pousser les plantes et bronzer les gens tout nus. Et puis, très récemment, j'ai découvert qu'il avait le pouvoir étrange de faire éternuer les gens. Ah, ah bah tiens Chris, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, j'ai eu le soleil. Ah. C'est mal joué, mais du coup, il y a le soleil. Bon bah en tout cas, sachez que Samy, c'était un ancien rédacteur de l'équipe. Lui, il avait ce truc. Il éternuait. D'ailleurs, quand il éternuait, il faisait des bruits très bizarres. Mais sans rire, du coup, il faisait tchou, 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 tchou. Exactement ça. Vraiment ça, genre le tchou-tchou. Bah ouais, il faisait tchou-tchou. Est-ce que vous avez envie d'éternuer quand je parle d'éternuement? Bah sachez que si je parle de bâillement, ça donne envie. Hein. Oh, tu me feras pas bailler. Putain, c'est fou. Oh. Ça va vraiment être chiant. Ouais, moi, ça me fait vraiment bailler. Ouais.
C'est bizarre, hein. Franchement, je me dis sur quoi il se base, parce qu'il y a quand même plein de moments dans la rue, dans la vie de tous les jours, où t'as la lumière qui tape. Genre, comme là maintenant, on a plein de lumières qui sont vers nous, à aucun moment on éternue. Ah, mais elles sont pas intenses. Hein. Oh, putain, c'est parce que t'as l'habitude, mais moi qui fais jamais de tournage, là, je suis aveugle. Hein. Non, mais si tu compares au soleil, ça n'a rien à voir, tu vois. C'est une histoire d'intensité, tu vois. Ça, c'est ce qu'on appellerait le réflexe photosternutatoire. Et ça toucherait un quart de la population. Et bon, bah, ça viendrait d'une interférence entre le nerf optique et le nerf tripes jumeaux, qui sont très proches, en fait. Et quand il y a trop de lumière dans la gueule, ça excite trop le nerf optique et donc du coup il aurait tendance à venir caresser l'autre nerf et du coup donner envie d'éternuer. Est-ce que ça vous arrive? Bah, si vous êtes face au soleil, regardez-le, et si vous éternuez, bah bingo. Et apparemment dans un autre genre, il y a aussi des gens qui auraient envie de vomir à chaque fois qu'ils se mettent à éternuer. J'espère que c'est un peu plus rare ça. Ouais, la médecine n'a pas d'explication sur le coup. Bah ouais, parce que vraiment j'ai jamais entendu parler de ça et c'est un peu bizarre comme truc. Waouh, ça c'est trop stylé par contre. Trop stylé, ça fait un peu serpent quoi. Bah tu t'en fous, y'a pas personne qui le voit. Ouais. Ça, c'est un peu super pouvoir tu vois. Bon là on parle du coup de luette bifide, c'est le terme, voilà, à vos souhaits. Alors de base ça sert à quoi ce machin qu'on a au fond de la bouche? Bah ça empêche les aliments en fait de passer par les voies aériennes. Et donc du coup la luette, ou glotte hein, en cours, hein, ça sert en fait à empêcher les aliments de passer par les poumons. Parce que du coup il y a deux conduits, hein, ceux qui vont direct vers les poumons et ceux qui vont vers l'estomac. C'est ça. Donc voilà, ça va bloquer, ce qui est quand même pratique pour éviter de mourir... asphyxié quoi j'imagine. Cela dit, ça n'empêche pas parfois du coup d'avaler de travers et puis pouf. D'ailleurs c'est la manœuvre de Emlich pour... C'est-à-dire vas-y. Bah en gros, t'avales de travers là maintenant, tu vas arriver comme ça, prendre des personnes avec les deux points ici et finir faire. Voilà. Ah oui, du coup là tu me vides les poumons et du coup ça recrache. Ouais, c'est ça, je viens appuyer pour recréer de la pression et puis du coup tu vas recracher ce que t'as avalé de travers pour sauver quelqu'un. Bon, alors là du coup cette double luette là, elle est quand même fonctionnelle, donc ça n'empêche pas d'avoir un corps optimal quoi. Alors là, vous venez de voir, en fait, ils viennent de placer le cintre un peu, d'une certaine façon, en fait, sur la tête, sur le crâne, et ça leur a donné une envie de tourner la tête. Inexplicable, magique, mystérieuse. T'en penses quoi, toi? Tu penses que c'est du fake? Bah, alors moi, j'avais vu une vidéo, en fait, du coup, sur la chaîne de Syllabus, qui y croyait pas, en fait, puisque c'est une scientifique, et elle se dit c'est bullshit, et elle l'a fait, elle a testé, elle l'a bien placé, et ça fonctionne. Mais il faut quand même bien le placer. Et c'est rigolo, parce que d'ailleurs, cette vidéo, sur sa chaîne, parmi les dernières, c'est celle qui a explosé en termes de vues. Elle a fait 10 fois plus de vues qu'elle le fait d'habitude. Ah ouais, c'est marrant parce qu'elle était sceptique et elle a pas de raison de mentir justement sur ça. Mmh. Elle sait pas trop, mais ça semble presser en fait certaines zones en fait du crâne qui vont avoir tendance à vouloir produire cette sensation de rotation. Et ça marche du côté gauche ou droit. Et du coup, des scientifiques ont imaginé, si on te met un anneau sur le crâne, tu vois, une sorte de disque, tu vois, et ce disque, il va appuyer sur certaines zones précises, mais quand tu veux, ça te les active, en fait, tu appuies sur un bouton, ça va activer. Ça fait que tu pourrais avoir reproduit comme une sorte de radar qui fait que du coup, ça peut t'orienter à gauche ou à droite. Ça peut être super utile pour les personnes qui sont paralysées, qui savent plus bouger la tête ou quoi, si c'est quelque chose d'inconscient. Parce qu'il faudrait que je vois comment ça marche au niveau musculaire, mais c'est super intéressant. Moi, de faire plein de trucs avec ça. Après, s'ils ont plus les muscles qui peuvent pas bouger. Ben justement, c'est ça. Si c'est un réflexe involontaire, comme t'as un autre truc marrant avec le corps humain, c'est l'effet ténodèse, qui est utilisé par les patients qui ont de la spasticité, du coup. Tu viens mettre ton poignet vers l'avant comme ça, tes doigts, ils vont avoir tendance à se tendre. D'ailleurs, c'est beaucoup plus difficile si tu viens essayer de les plier dans cette position-là. Ah d'accord, ok. Bah, très bien, ok. Bon, bah, je vais prendre des notes. Hein. Là, ça fait quoi? Donc ça, en gros, là. Ici, tu vas avoir tendance, si tu laisses ton poignet se laisser aller comme ça, tes doigts, ils vont avoir tendance à se tendre. Que si tu viens dans l'autre sens, vont avoir tendance à se fermer. Ah oui, alors, là ils sont flis et là ils s'éteignent. Ouais, c'est ça, si tu laisses faire, vous pouvez essayer chez vous, genre ça, c'est un effet normal parce qu'en fait, ici tu mets en tension tes extenseurs, donc en fait ça va se tendre, et ici tu mets en tension tes fléchisseurs. Donc mais ça, c'est parce que j'étais vertical aussi. Non, essaye de le faire comme ça aussi, tu verras. Genre rien. Si mets ton bras comme ça, et viens mettre ton poignet vers l'autre, tu vas voir. Ça va avoir tendance à se plier. D'accord. Ah oui, d'accord, ok. Et sur les patients qui, du coup, ont eu des AVC ou quoi, et qui expriment de la spasticité, eh ben, ça se voit beaucoup plus, et ils peuvent utiliser ça pour ramasser des objets, parce que du coup, tu peux... Ok, ramasser des trucs. Ok, stylé. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, elle leur met. Attends. Ah, tu arrives? Ouais, ok. C'est pas le truc le plus utile du monde, mais... Eh bien voilà, j'espère que ces petites curiosités en fait du corps humain vous auront intéressé et que l'œil vigilant de Stéphane vous aura peut-être aussi un peu donné plus d'infos. Dites-nous vous ce qui vous intéresse, mais moi si je pouvais avoir une de ces particularités, je dirais que c'est la main à six doigts quoi. Ça, c'est sympa. Je pense que ce serait pareil pour moi en vrai. Sur ce, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo et hasta la vista.